Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, je vous souhaite la bienvenue. Je demande la grâce pendant que je parle. Nous sommes au deuxième jour de jeûne. Pour ceux qui viennent de tomber sur mes vidéos. Daniel Inferno, don't focus. Okay, I don't know if that's for me, but thank you. I never focus on the numbers, by the way. But thank you. J'aime bien le reflet de cette bougie sur mon visage aujourd'hui. C'est peut-être la fleur qui fait. I love this. I want to keep this here now, like this, comme ça, comme ça. Bonsoir. Que cette bougie apporte la lumière sur ce que je vais dire. Que cette lumière ne vous quitte pas. Que cette lumière ne me quitte pas. Je reçois, je demande et je reçois la sagesse pour parler. Et pendant que je parle, que votre esprit soit ouvert, que votre esprit soit disposé. Je vous sors de tout trou de dépression dans lequel vous êtes. Toute pensée qui est en train d'encastrer, d'enchevêtrer, de twist, de tourner ou d'ensevelir votre bon sens. Je vous sors de tout endroit où vous vous retrouvez et vous étiez désespéré. Vous avez crié à l'aide et je suis là. Réjouissez-vous. Rejoice in the Lord and rejoice, rejoice. Je mets en vous la joie pendant que je parle. Que ce que vous cherchez depuis que vous le trouviez, que ce dont vous avez manqué, que ça vous localise, que vous preniez de bonnes décisions, qu'on ne vous guide pas sur le mauvais chemin. Si vous êtes sur le point de prendre une bonne décision, que quelqu'un ne vienne pas détourner votre décision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au tête, basse. Là où il y avait des ténèbres, je mets de la lumière. Là où il y avait de l'amertume, je viens mettre le sucre. J'apporte du miel dans votre vie. Là où vous avez perdu de l'argent énormément ou très peu, peu importe, je remplace cet argent. J'augmente cet argent. J'ouvre les portes qui vous ont été fermées. Je commande la restauration de vos esprits. Tout part d'ici. La solution vient d'ici. Si on croit qu'on peut, si on croit qu'on ne peut pas, si on va recevoir la solution, c'est dans la tête. Je vous félicite car vous avez vu et vous allez encore voir la gloire de Dieu. Personne qui vous veut du mal et qui était cachée, j'expose cette personne. Tout plan qu'on avait tissé pour vous faire tomber, tout plan qu'on avait tissé pour vous faire tomber. J'expose les plans et je fais tomber ces plans. Je remets les idées en vous. Que vous sachiez qui vous êtes. Selon Galates chapitre 5, je déclare que vous ne vous fatiguez pas de faire du bien. Parce que dans la saison qui est actuelle, maintenant, je déclare votre saison. Répétez avec moi, j'entre dans ma saison.
Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, si nous ne relâchons pas, si nous ne relâchons pas. Je fortifie votre esprit. Je remets la vision. Parfois, tu commences quelque chose, tu as la vision. C'est cette vision qui te fait te lever tous les jours pour partir. Soudainement, on t'attaque, tu es confus. Pourquoi je veux même faire ça? Je crois que je suis même qui? J'ai cru que je peux changer la vie des gens là. Moi, je suis même qui? Je chasse le doute de vos esprits ce soir. Je chasse les maux de tête. Yes. Tu dis, ma soeur, toi, ta soeur est qui? Toi et qui? J'illumine votre esprit. Qu'aucune arme façonnée contre vous ne vous fasse tomber. Parfois, quelqu'un te regarde, il voit ton statut, il voit ton direct, il voit que ce que tu fais est bien. Ça le dérange. Il faut qu'il vienne, il commente pour te faire du mal. Il faut qu'il vienne, il te dit une mauvaise parole. Pourquoi? Pour que tu doutes de toi. Tu ne douteras pas de toi au nom de Jésus. Tu ne douteras pas de toi au nom de Jésus. J'avais oublié mes dérangeurs là, TikTok. J'ai oublié de lancer le direct sur TikTok. Mes dérangeurs patentés là. Parfois, quelqu'un vient, il voit ce que tu fais est bien. Il ne veut pas que tu saches que c'est bien. Il ne veut pas que tu saches que ce que tu fais là, si tu continues seulement, ça portera des fruits. Au contraire, il te décourage. Au contraire, il essaie de t'atteindre. Je mets la honte sur vos décourageurs. Ils ne peuvent rien me faire. Répète. Ils ne peuvent rien me faire. Encore. Ils ne peuvent rien me faire. Que votre sourire détruise les démons de votre vie. Que votre joie anéantissent les personnes qui vous voulaient du mal. J'appelle les personnes qui ont besoin de ce que vous vendez, ce que vous offrez, ce que vous faites, qui vont tomber sur vos vidéos et qu'elles en soient transformées au nom de Jésus. Je reconnecte votre corps avec la puissance créatrice. Tu vois la gloire de l'Éternel sur ton visage. La gloire de l'Éternel. J'ai mis la bougie contre mon visage. Ça me plaît tellement que je n'ai pas envie de déposer la bougie. The glory of the Lord is shining. It's shining upon me. The glory of the Lord. I have a message. Congratulations. Je mets en vous la persévérance. Donc, l'un des messages que j'ai pour vous ce soir, vous allez être amené à fonctionner seul dans les prochains jours. Il y en a ici, vous étiez dans des relations toxiques. Vous vouliez sortir de là. Ça ne se passait pas.
Ce jeûne que vous êtes en train de faire ici, ça va nettoyer votre aura. Ça va nettoyer. Vous allez voir que vous ne serez plus dans la même vibration que certaines personnes. Des gens que tu as essayé de faire sortir de ta vie depuis, ils vont partir seuls. Des choses que tu as essayé de faire depuis, le sport, la méditation, la prière constante, vendre des choses, tu commençais, tu arrêtais. Tu commençais, tu arrêtais. Tu n'avais pas de stabilité. Mais là, tu es en train de recevoir de la stabilité. Ah oui. Là, tu es en train de recevoir de la stabilité. Merci pour ceux qui commentent dans mon direct et ceux qui like la vidéo. C'est super. Que vos commentaires soient bons ou mauvais. Tu es en train d'entrer dans une phase de ta vie où tu as l'opportunité de t'enraciner. Avant, tu avais un ex que, quand il te quittait, la semaine d'après, il revient vers toi. Il te court après jusqu'à ce que tu cèdes. Cette fois-ci, il va te quitter sans broncher. Avant, tu n'arrivais pas à te lever la nuit pour étudier. Tu n'arrivais pas à te lever pour prier. Mais là, tu vas dormir tôt. Tu vas manger sain. Tu vas te rappeler, ta mémoire est en train d'être ravivée aussi. Il y a quelqu'un qui a dealé avec les malédictions générationnelles de sa mère. Les choses qui faisaient que sa mère n'avançait pas. Les choses qui ont finalement bloqué ou tué sa mère. Ces choses étaient sur toi. Tu souffrais de ces choses-là. Et là, ce que le Seigneur est en train de faire, il est en train de te libérer. Ça va venir sans effort. Quelqu'un écrit ici sans effort. Sans effort. Souvent, quelqu'un te contacte et dit, ok, je veux qu'on bosse ensemble, voilà, je t'envoie le contrat demain. Tu restes comme ça, le contrat a disparu. Tu ne reviens plus. Hein? Tu appelles même encore. Que papa, c'est comment? Tu as oublié. Il lit ton message, il ignore ton message. Et ça fait mal. Là, le Seigneur est en train de te libérer de ce qui bloquait ta vie depuis. Il y a quelqu'un qui va se lever, tu vas arrêter de manger. Tu voulais manger végétarien avant, tu voulais arrêter de manger la viande rouge, les choses comme ça. Naturellement, tu vas arrêter. Et là, les os de ton corps vont se reconnecter. Les os de ton corps vont se reconnecter. L'énergie va commencer à circuler dans ton corps. Tu as vécu deux échecs et là, tu as reçu un boulot. Je déclare dans cette saison que tout ce qui te tirait vers l'arrière,
Tu restes comme ça, tu te dis que, ah, je sais que je dois faire telle chose. Je dois écrire mon livre. Je dois faire ceci. Les jours passent, tu ne sais même pas pourquoi tu ne fais pas. Je reconnecte ton énergie à la puissance divine qui crée. Je te donne de la vitesse exponentielle. Je te donne de la résistance. Toute personne qui est venue te fatiguer, tu as la victoire sur cette personne. Je te sors des cycles répétitifs. Je vois une femme ici que tu as toujours été dans les hauts et les bas. Un coup on est ensemble, un coup on n'est pas. Un coup on est ensemble, un coup on n'est pas. Un coup on est ensemble. Désormais, tu es définitivement libéré. Je te libère de ce qui te retenait en arrière. Je te libère des cycles répétitifs. Je te libère des cycles répétitifs. Tu vas devenir très seul dans les prochaines semaines parce que tu es en train de t'élever. Tu es en train de monter. Les choses que tu... Donc, tu, like, on dit en anglais, crave. Avant, tu restais, tu t'ennuyais, tu passes sur TikTok. Tu restais, tu t'ennuyais, tu partais ici, là. Tu appelles quelqu'un, tu sortais. Là, tu vas te lever, faire ce que tu sais que tu dois faire. J'enlève le désir de faire d'avoir des conversations perverses. Les paroles flatteuses de cette personne ne t'attirent plus. Les paroles flatteuses de cette personne ne t'attirent plus. Les paroles flatteuses de cette personne ne t'attirent plus. Les paroles flatteuses de cette personne ne t'attire plus. Parfois, tu es au téléphone comme ça, tu sens que la personne est en train de te mentir. Mais toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu ne raccroches pas. Hein? La personne t'écrit. Nous sommes à Abidjan, métamorphose. Oui. Le numéro, c'est le 0779-0252-05. Dans ma bio, il y a le numéro. Tu reçois maintenant le courage et la force pour t'arrêter. Tu as plein de conversations avec la personne. Tu arrêtes. Tu déposes. La personne t'écrit « Coucou ». On ne dit pas à quelqu'un qu'on veut le bloquer. On ne dit pas à quelqu'un qu'on veut le bloquer. On le bloque. Il remarque qu'il a été bloqué. Le vieux sage, merci. On ne dit pas, je t'enlève des situations où tu veux qu'on te supplie. Oh, il faut que... Il ne m'a pas encore écrit. Je lui ai dit le matin que je le bloquais, non. Comment est-ce qu'il est 10 ans, il ne m'a pas encore écrit. Il doit me dire, ouais, je t'en prie, s'il te plaît. Ouais, bébé, écoute-moi. Tu es mon tout. Je te libère de ce besoin. Je te libère de ce besoin. Je te libère de ce besoin. Le besoin que tu ressentais d'être supplié. Le besoin que tu ressentais qu'on court après toi. Je te libère de ce besoin. Tout deal dans lequel tu étais. On te tournait, et comme on te tournait là, c'est parce que tu ne voulais pas payer 20 000. Sors tes 20 000, tu payes. Ainsi, tu as le courage de demander, qu'en est-il de ma procédure?
L'avocat aurait dit, oh non, tu sais, demande l'asile comme ça, comme ça. Tu es tombé dans son piège. Depuis 8 ans, tu attends. Je redresse ta colonne vertébrale spirituelle. Tout mensonge sur lequel tu es assis, qui bloque ta vie, je te libère de ce mensonge au nom de Jésus. Je te libère du mensonge qui est en train de bloquer ta vie. Déclare avec moi, je renonce au mensonge, je renonce au péché. Au lieu de vendre la fausse marchandise, mieux tu vends la vraie marchandise chère. Mieux tu vends la vraie marchandise chère. Au lieu de vendre la fausse marchandise au prix normal. J'enlève l'envie dans ton cœur de mentir. Souvent, tu veux aider quelqu'un, il te ment. Tu lui dis, dis-moi la vérité, je comme ça, il sait comment te guider, non? Est-ce qu'on ment à son avocat? Est-ce qu'on ment à son avocat? Lave ton sel. J'ai les vidéos dans ma page qui parlent du lavage au sel. Vous êtes paresseux. Vous devez savoir qu'on prie pour vous. Pourquoi on va me casser pour prier pour toi si toi-même tu ne veux pas prier pour toi? Ça, c'est la dépendance émotionnelle, dépendance spirituelle. Je vous libère de cela. Si elle te demande si tu te laves au sel, tu vas dire que tu ne te laves pas au sel. Est-ce que tu jeûnes? On a deux jeûnés aujourd'hui, tu ne jeûnes pas. Tout à part, c'est que priez pour moi. Continue d'écrire. Toute paresse dans laquelle vous êtes tombé, au lieu de chercher ta nourriture toi-même pour manger, te voilà parce qu'il va te donner 3 000 par jour. À cause de 3 000 là, tu te retrouves dans des situations compliquées. À cause de 30 000, tu te retrouves dans des situations compliquées. Tu te retrouves dans des endroits compliqués. Toi, tu demandes que je fais quoi même ici? C'est toujours pour 30 000 là. C'est seulement 200 euros comme ça. J'enlève la tolérance au mensonge. J'enlève la tolérance au mensonge dans votre esprit. J'ai compris, Cataline. Catalane. Quand tu as renoncé au mensonge, cette nuit, ange Michael, viens et aide cette personne. Dépose en elle la volonté. Dépose en elle la volonté de dire non. La volonté de dire non. Que la solitude ne te dérange pas. Que la solitude ne te dérange pas. Le soir, ce n'est pas pour se masturber au téléphone. Tu as compris, non, Khadija? Le soir, ce n'est pas pour se masturber au téléphone. Tu dis que tu veux le message, hein? Le soir, ce n'est pas pour être au téléphone avec d'autres personnes. Je vous libère de la pornographie. Je vous libère du mensonge chronique. Je vous libère du mensonge chronique. Tu es dans le taxi, hein, tu es en train de rouler. Ah non, je suis déjà. On est à descendu, je marche pour venir. Alors que tu es dans le taxi. Tu es à la maison, tu es en train de fermer la porte. Non, je suis là dans le taxi, j'arrive. J'enlève l'esprit de peur qui est en toi, qui fait que tu manques toujours. Je te libère de la colère.
La colère qui t'attache. Reçois la force pour jeûner demain. J'enlève l'étreinte que la colère avait sur ton corps. Je déclare que quand tu es en colère, tu ne fais rien de mauvais. Tu ne pèches pas. Je te libère de toute colère qui reste pendant des heures. J'enlève de ton corps l'influence de la colère au nom de Jésus. Je renforce ton système immunitaire. Je renforce ton système immunitaire au nom de Jésus. Toute arme qui a été forgée contre vous, j'annule l'effet de ces armes-là. J'anéantis les armes. Que l'Esprit communique avec vous. Que des révélations vous soient données. J'accélère votre mission de vie. Que votre esprit soit vif. Que votre esprit soit connecté. Tout ce que vous avez eu dans ces jours, je solidifie ça dans votre corps. Je cimente ça en vous. Que vous ne manquiez pas. Toute incantation forgée contre vous, j'annule les incantations. Recevez la force pour respecter vos engagements vis-à-vis de vous-même. Que tu décides quelque chose, tu fais. Vous ne serez pas victime d'arnaque. Vous ne serez pas victime de manipulation. Vous ne serez pas victime de mauvaises personnes qui vont venir de t'enceinter, fuir, venir faire telle chose, partir. Non. On ne vous utilisera pas. Je vous bénis.